Ce matin, vous nous préparez des ravioles avec des demoiselles en robe rose de Loctudy, c'est bien cela? On appelle aussi les langoustines. Mais oui, oh là là. Oui, la star de la Bretagne que l'on aime manger. Magnifique. Cuit, cru, vapeur, avec de la mayonnaise, juste poêlé au beurre de micelle ou dans des ravioles. C'est un peu comme on veut. Alors, le principe, si on veut, on achète des belles langoustines, on les garde entières, on va enlever les pinces. Moi, je n'utilise pas la tête. Alors, il y en a qui utilisent la tête pour la sauce. Moi, j'utilise que les pinces, que je casse avec un rouleau à pâtisserie. Je fais revenir des oignons, du fenouil, je mets des carottes, je fais cuire tout ça avec de l'huile d'olive, du beurre de micelle pour pas que le beurre brûle. On ajoute les pinces, on les casse bien, on les mijote, on déglace, on flambe au cognac. Un petit coup de concentré de tomate, un petit peu de vin blanc, de la crème fraîche et on laisse mijoter pendant une petite heure. La crème va devenir rosâtre, parfumée à la langoustine. Je la filtre directement et là j'ai ce nectar de langoustine. Alors, ce que j'adore, c'est qu'il y a mille et une manières de le faire. Soit on peut en faire une sauce, c'est-à-dire manger les langoustines poêlées avec la sauce. Soit on peut tout simplement manger les langoustines juste poêlées avec un petit peu de piment d'Espelette, du sel, une tartine de pain grillée, frottée à l'ail, beurre de micelle. On le mange comme ça et on se garde le petit velouté comme une soupe. Soit on peut couper les langoustines crues que l'on dépose au fond d'une assiette et on va verser le velouté chaud qui va à peine cuire les langoustines. Et là, c'est la folie. Vous avez vu le... Là, tout le monde... Alors là, je peux vous dire que nous étions à la messe. C'est fin, c'est délicat, c'est une gourmandise absolue. Et il y a mille et une manières de la manger, bien entendu. Merveilleux. Pourquoi pas les têtes, alors? Moi, c'est personnel. Il y en a qui mangent les têtes, je vois au restaurant, ils coupent et ils changent la tête. Bon, la tête, c'est... Moi non plus, je peux pas. Moi, je peux pas, mais... Voilà. Je respecte. Vous, Laurent, vous sucez la tête. Monsieur Lignac, moi, mange tout, on est un peu chouchou. Voilà. Alors que vous, vous êtes viril, brutal. Je suis un peu précis. J'aime bien le petit corail dans la tête. La recette est à retrouver en détail avec les proportions sur RTL.fr.